Ce résumé vous est présenté par FedEx. Et takeaway.com. Sponsor de l'UEFA Champions League. Max à la remise en jeu. Bien joué ça aussi. Ça peut aller très très vite. Il s'agirait pour les Glasgow Rangers de ne quand même pas prendre un but. Hein. Mais méfiance avec des garçons aussi vifs que les Gakpo. Mmh. Oh, bonne balle. Bonne balle ! Oula ! Luc De Jong, écoutez, j'ai une illusion d'optique, Alex. Je l'ai aussi, je l'ai vu au fond. Moi aussi, je pensais qu'elle était dedans. En plus, la non-réaction de McLaughlin m'a vraiment fait penser ça également. Un super centre, hein. bon déplacement. Pas de hors-jeu. Pas absolument pas. Bon, il faut espérer que le pied droit de Gakpo donne de meilleurs coups de couac que ces derniers, parce que là c'était quand même pas terrible. Jamais 203 ou pas. C'est mieux. Ah, c'était mieux ça. C'était beaucoup mieux ça. C'était beaucoup mieux. Et c'est Sangaré qui vient nous marquer ce petit but, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, c'est lui. C'est lui. Comme quoi, vous pouvez louper complètement vos deux premiers coups de coin et au troisième, quand le ballon retombe bien, ben c'est jackpot. En plus, il le donne avec une certaine élégance. Il n'y a pas de force, Marc. C'est vraiment bien lifté, bien travaillé. On va le revoir. Il pourrait, tu vois, oui. C'est vraiment fouetté, oui. Mais sans donner. Il la fouette gentiment. Voilà, gentil, exactement. C'est vraiment ça. Et je regarde où est Tillman. C'est dans sa position parfois qu'il était le plus dangereux. Tavernier, oui. Ça fait un petit temps qu'on ne l'a plus vu. Techniquement, il y a quand même des choses intéressantes à voir. Du côté des Rangers. Lorenz. Oh, elle est belle, magnifique. Tavernier, c'est joué. Splendide ça. Oh, quel but, Alex. Quel but sensationnel. Franchement, une combinaison pareille, j'aurais cru plutôt la voir du côté du PSV. Ouais, mais là, du côté des Rangers, alors ça, c'était un but, je vais pas dire d'anthologie, ce serait exagéré. Mais il est splendide. Un but Champions League. Ah oui. Bon, c'est la qualité de la passe, de la remise du centre et de la frappe de Čolak, parce qu'il faut encore la mettre. Mais quel décalage. Quelle intelligence aussi de Tavernier. Ce que Čolak fait, la décroiser comme ça. Enfin, Marc, il faut aller le chercher, le côté opposé. Hein. Il est beau. Vraiment. Il est beau. Il est très, très beau, ce but. Allez, on retrouve les bons classiques, là. Avec Sens. C'était pas mal du tout, hein. Et le contrôle. Ouais, ce ballon est magnifique. Hop là. Ils sont dans les cordes, hein, le PSV. Magnifique, l'arrêt de Benitez, là. Mais c'est bien arbitré parce qu'il la siffle pas. En revanche, il siffle la faute de main, quoi. Mais il a raison. Oui. Il a voulu. Ouais, il est bon là. Il est pas mal sur ce coup-là. C'est joli ça. Pour le même prix. Pour le même prix, dans une fulgurance magnifique, Saibari. Et franchement, lui, on le voit plus en 5 minutes de seconde mi-temps qu'en 45 de première. Ouais. Gakpo, c'est bien joué avec Saibari. Frappe ou pas, ouais. Oui. Oh là. Magnifique l'arrêt de McLaughlin. Lorenz. 5 mètres d'élan, à mon avis, c'est envoyer un exocète là. Ouais. Oh, voilà. C'est pas vrai. C'est but, ça. C'est pas vrai. Mais écoutez, Benitez, il nous avait déjà fait une faute technique là il y a 3 minutes sur un ballon quelque peu anodin. Mais alors là, celui-là. Ouais. Franchement, c'est un arconada. Hein. Oui, c'est ça. C'est annonciateur, Marc. Vous l'aviez souligné, effectivement. Mais je vous en avais parlé en début de match. Il y avait quelques approximations dans sa sortie aérienne, pas toujours juste. Bon, le ballon est certes un petit peu flottant, mais écoute, Marc, il ne peut pas. Ok, il y a le petit bon qui est vicieux. Encore une bonne balle. Qu'est-ce que c'est bien joué. C'est Obispo là qui vient de rétablir l'égalité. Mais ces ballons, qu'est-ce qu'ils ont de si particulier pour être imprenables comme cela? Franchement, hein, c'est vraiment étonnant la manière avec laquelle il les donne. On voit rarement des corners frapper avec cette gestuelle-là, Marc. Allez, c'est
non, presque. Enfin, c'est soyeux comme ses contrôles. Ouais, bien joué. Finissent bien là les joueurs de Van Nistelrooy. Ouais, ouais. Oh, oh quelle passe. Oh quelle passe. Oh quelle belle sortie. Max, il s'en est fallu de peu, Alex. Il s'en est vraiment fallu de très très peu. Ce résumé vous a été présenté par FedEx. Et takeaway.com, sponsor de l'UEFA Champions League.